dossier Biden nan temps en temps gen ti bagay. Bon da gou ba m'pral di peyi a la. Ou actuellement si DCPJ a travail. Comme baron ça a réglé dans peyi a, mais temps en temps au fond ti couri, mais si DCPJ a travail. Si immigration a travail dans peyi a pour aider peyi a. Conseil de contrôle yo supposé mettre son série de nèg kap entré sorti Miami. Parce que Miami pi près Haïti. Genèg se manje Haïti al bwè dlo Miami. Pendant m'ap parle avec la société malheureux pa ka voyager. Et bon ba m'abdou la oui. Malheureux c'est parti au parti, malheureux pa voyager. Mais ça me l'a dit. Malheureux kap sorti Haïti kap vin bousquer la vie aux États-Unis. Yo résigné, yo payé ticket yo rentré. Moun sa yo parti, yo pa voyager, yo parti. Et moun sa yo parti, yo parti. Mais nèg kap voyage presque chaque week-end, yo vide Miami, faut nous mettre contrôle sur yo. Pendant ma parle à voilà, pipiti kop bon nèg payon ticket sot Haïti, vide Miami, li nan $600-$700 américains. Pipiti oui. Pipiti oui. Sinon, gen ticket wap cheke kounya ou el koute 1000, 2000, presque $3000. On bo ticket. Et bon parole m'a parle avec la, oui. T'as dit, si son malheureuse qui nan programme Biden ou bien l'autre malheureuse qui a vint booster la vie aux États-Unis, moun sa se parti, il parti. Mais sou on nèg chaque week-end di voyage, la vie nou e famille Miami, mette contrôle sou nèg sa, kote la travail, ki sous l'argent. Son coup men a bay pays ya, mon ki mè lèm nèg yo raïm déjà. Ou e jamye la, m'dap di sa avec fami mouen. Mouen kreye ennemi pou Milan. Ni mon van, ça dit qui s'en va l'acheter. D'ailleurs, où est comme ça de pravant là? On pas gen ken moun vraiment pas livrer comme ba yo. Et a fait pour dedans qu'on y a gen moun qui dit tete non, bah et pas faute moi vinn pour dedans. Parce que chat boulet dans l'eau chaud, li wè de l'eau frette, li obligé rinka. M'vinn pour dedans. On est monté descendre Miami questionnel. Parce qu'on ticket pour sort Haïti vinn Miami qu'on y a, pipiti quoi oublier c'est $600-$700 américains. Pas gen blague là. On montre un bagage qui simple. Bon, en jodi an la, sou pran $700 américains, multiplié par 150 goud. Sa bon, ou nou ekol ba ou? Li bon 105 000 goud. 105 000 goud divisé par 5. Li bon $21,000 pour un bon ticket. Pour viviti, oui? Ça dit, un bon ticket, sot Haïti actuellement, la coûte au moins $20,000 haïtien. Kounya, on dit que nek sa, pendant mois, li fait 3 voyages. L'on fait 21 multiplié par 3, combien le bon là? $63,000 le dépense red. Sans compter, checker l'autre bagay, manger, etc. Kote la travail, combien kob li touche? Et ça te fait, vous paquet nèg là, sans réseau krasé pays ya, oui. Nèg yo pri ta pays ya en réseau. Et ça te fait, yo pavle ou nèg sous réseau. Vous comprenez ça, m'dou là? Le fait que yo krasé pays ya en réseau, yo pavle ou nèg sous réseau. Kap dénoncé yo. Nous fin carré dénoncé yo. Le ou la façon. Après Timothée, content Timothée. Bonsoir à vous. Ingénieur Moreno, frère, comment y est? Bah yon pile nan menou. Comment y est, papa? Monsieur, tete nous en forme. Encore une fois, toujours qu'on ait que son plaisir pour que nous sommes passés dans ces grosses activités. Et que nous profitons tout pour que nous saluer tous les fidèles branchés qui branchés ni à Haïti ni à l'étranger dans leur part. Merci, frère. On aller rapidement. Je dis à la, avant d'en parler, mais t'as semblé qu'on t'y modification sur bagayo. Parce que moi, j'ai une note qui sorti là, USCIS. T'as semblé qu'on s'est de monde qui t'es pensé, y'a couru, fait presser, target système non. Y'a gagné les rempli plusieurs fois pour seul monde. Est-ce que y'a une conséquence? Qui ça va aller? Y'a fondi balle avec nous? Bien sûr, Tété. D'ailleurs, USCIS a été fait clair dès le départ que les pas recommandé pour un monde rempli pour un monde deux fois. Sans que vous parliez un premier résultat. Ça qui arrive, par exemple, pour te rempli pour mon a déjà, il y a un erreur qui fait dans l'application, hein. Il y a un résultat négatif pour vous. Faut qu'à toujours retourner rempli pour mon ça. Et nous, il y a un monde qui arrive déjà. Bien des mondes, par exemple. Nous, il y a un monde, par exemple, qui t'est rempli un premier fois, si je m'abuse pas, c'était le 6 janvier. Il y a rejeté le 7 janvier. Li re-rempli le 7 janvier, si je m'abuse pas, il rejeté le 9 janvier. Et puis le 14 janvier,
nous remplissons le nous toute information correcte. Malheureusement, c'est mal que mal rempli. Nous remplissons pour lui. 14 avril, là, les autres écrits nous disent merci, félicitez nous, nous approuvons mon lien. Ça veut dire que il n'y a aucun problème que vous remplis pour le monde, que vous avez rempli pour lui déjà, malheureusement, qu'il y a un résultat qui est négatif. Now, principal problème, là, c'est le fait que il y a un groupe de monde qui fait comprendre que, attendez, si vous avez rempli pour janvier, ou bien vous avez rempli pour telle date, ou pas quoi j'aimerais pour nous, dossier la passer en bas, rempli pour dossier la capacité en l'air. C'est comme si l'orive dans ligne DGI et que mon nom était campé pour elle font sauter et puis au moment où elle vaut, là, elle cherche son côté pour l'entrer dans ligne de plus devant. Parce que l'Haïtien se comprend toujours intelligent. Ça veut dire que l'île est remplie déjà, ça arrive que l'île est remplie en janvier, il doit bon monde qui est rempli aujourd'hui à qui c'est mars. Il va approuver mon nom même côté, il va approuver mon nom après une semaine. Pour ça, l'île tout profite lui-même à le remplir sous prétexte que ça va inciter que il approuve automatiquement. Il va essayer de décourager pratique ça. Pour qui ça c'était? C'est parce que, par contre, vous remarquez ça bien. Par exemple, pour même qui sont immigrants ici aux États-Unis, vous remarquez que, quand président souvent, les gars ont un numéro là-dedans qui soit marqué Alien Number, ou bien qui marqué A Number, ou bien qui marqué USCIS Number. Si je m'abuse pas, c'est un numéro de 9 chiffres. Numéro ça, jusqu'à ce que mon avis américain ici, l'IPRAL, non certificat, naturalisation, mon nom. Donc, chaque monde qui vient ici aux États-Unis, les vient avec un Alien Number. Alien number ça, la suivre bon ça, pour quel que soit l'autre bénéfice migratoire que mon ça t'avait une joigne. Par exemple, si mon ça t'avait une joigne, mon ça t'avait une résidence, si mon ça t'avait une naturalisée, là, toujours gagne même alien number ça. Now, l'autre même mon nom, ou rempli pour les deux fois, sans que l'hypocor y ait un premier dossier qui close, ou vient créer un taux hubori dans le système là. Ou qu'a vu la cause que vous approuvez mon ça deux fois, et là, vous approuvez mon ça deux fois, ou vient la cause que même si vous ça, il y a deux alien number. Parce que faut remarquer bien, l'on applique pour le monde deux fois et que USCIS comprend que deuxième monde, c'est premier monde, l'on prend décision sur deuxième cas, il automatiquement ferme premier cas et du premier cas, c'est un cas qui administratif les clauses. Ça veut dire que ce sont très, très mauvaises pratiques liées pour remplir pour le monde qui gagne un monde qui remplit pour lui déjà et que vous juste faire un objectif pour accélérer le processus-là. USCIS fait le clair, non seulement en aucun cas, il pas accélérer le processus-là, mais deuxièmement tout, au lieu d'y accélérer le processus-là, ou courir risque pour que il fait le processus-là pour plus tard. Wow! Bah, y'a un petit crasse mélangé, ça veut dire que, moun qui te pensé, parce que y'a un pile d'amis qui te dit ça, qui dit moi t'étais pour ça, si tel moun appliqué, il prend temps pour qu'il soit pas réappliqué, vous l'y encore, etc. Alors que, bah, elle a toujours montré au pendant dans le système, non? Qui donc gen suivi qu'a fait. Donc ça li complètement déconseillé et me pensais que gen moun ki capable en difficulté pour ça. L'autre bagay et gen en pile moun k'ap di que t'alè mo fon ti poste, mais ben ça gen doit faire compte. Li gen doit faire compte parce que t'alè ça de Luxon ville la gauche oui. Oh, Luxon mon cap pour li gen dans bay vague lui-même. Mais si Luxon prend frappe, mon frère, monsieur bay vague longtemps. Bon comprend un clash comme ça monsieur. Oui, et ou dit que gen moun ki prend prétexte pour yo pas appliquer pour moun c'est parce que yo poko fil tax ou dim ça est pas vérité li pa kake bien encore. Premièrement, depuis hier qui était 18 avril là, saison tax pas fini. Ça veut dire que yon moun ki dit le pot ko rempli, ça va veut dire que ça va veut dire que pas gen moun ki pas rempli tax vrai. Bien entendu, ça arrive que yon moun ki pas rempli tax vraiment, surtout par exemple si c'est moun ki pral louer ARS, moun ka toujours appliquer pour extension etc. Ça arrive. Cependant, là encore, il n'y a pas qu'à Québec comme argument. Parce que premièrement, depuis hier, majorité du monde a rempli taxe déjà parce que hier, c'est le dernier délai que USCIS bail pour remplir taxe. Deuxièmement, USCIS fait clair, taxe transcript là, ce n'est pas unique document que vous êtes capable d'utiliser pour remplir pour le monde. Vous êtes capable d'utiliser un domaine YouTube pour remplir pour le monde, même pay stop que vous avez dans ce travail là, vous êtes capable de faire utilisation de lit pour remplir pour le monde. Donc, moi, je dis ça surtout, c'est par le simple fait que moi je viens de des monde par exemple qui fait 15 jours 22 jours yo dit que gon monde cap rempli pour yo yo qui t'en vient aller tout jour c'est ou m'a faire rempli pour moi et puis qui ça mon ba yo comme argument mon ba yo comme argument que c'est ça qui pour rempli. Donc le jour de ba ça arrivé sous moi comme ça Léon qui j'en fait mal on pas qu'à dire monde dans lui de manière individuelle pour me dire cherche pour l'autre monde parce que au plus stable au monde que il a boité. Mais nous disons le public pour que yon moun qui t'en déjà un message ça, pour le cas qu'on ait publiquement que c'est volonté que moun n'a pas gagné pour le rempli pour lui. Parce que en aucun cas, rempli taxe,
pas yon nan requirement que yon mande, pas yon nan obligation que USA a fait. Foula y a fait. Et foula y a fait. Pas yon obligation. Ça veut dire, même dans le tout que yon gena men, ou la pay stock que yon paye yon dans le travail là, les travail là, ou kap fait utilisation de li, et m'a dit formellement que moi même personnellement, moi fait utilisation de li déjà, et moun yon a prouvé, il n'y a aucun problème, et c'est quelque chose qui trouve il sur page USA. Donc, si yon moun de que c'est taxe, il n'y a pas rempli, il fait le pas rempli pour, on sait que le bagage est en rempli pour. Oh, pas de problème. Eh ben, pour me quitter, il y a espoir, ça veut dire que moun la janvier, février, captain toujours, il y a espoir toujours? Mais bien sûr que oui, au contraire, moyen yon associé moi qui tire le USCIS à l'heure, tire le USCIS à l'heure, pour yon nan client nou yo qui attend depuis 1 janvier, qui pas contre un résultat. Et puis, Damna explique que est-ce qu'on connaît que gen moun Venezuela, parce qu'on connaît que pratiquement c'est 4 pays dans Amérique qui fait partie de programme ça, Haïti, Venezuela, Cuba avec Nicaragua. Agent USCIS a expliqué que gagnent monde Venezuela qui remplit formule depuis en octobre, qui jusqu'à présent attendent un résultat, qui n'ont pas encore un résultat. Donc c'est juste pour dire que remplir un dossier USCIS, c'est pas juste une roche pour tirer dans de l'eau et que pas qu'il y ait aucun espoir que vous pourrez le retrouver encore. Non. Leur remplir un dossier avec USCIS, automatiquement, c'est remplir un dossier. Même un message que vous voyez par USCIS, ça va arriver que vous répondez après 10 ans. Mais c'est certain que vous avez une réponse quand même. Pour qui ça? Parce que leur remplir un dossier avec USCIS, il y a un ticket qui automatiquement créé dans le système. Et dans le genre d'entreprise, chaque groupe employé a un superviseur ou bien un manager qui travaille ensemble avec lui. Les managers-là, lui-même, il y a pour que lui reporte son travail. Donc, les managers-là, il y a un ensemble de tickets qui étaient ouverts devant lui. Il y a l'autre monde qui sous tête lui, qui a target lui pour que le ticket soit même fermé. Donc, chaque fois où vous mettez un dossier dans le système USCIS, chaque fois où écrit USCIS, il automatiquement généré un ticket dans le système là, et moun sa yo pas dormi, pas avant que yo pas répondre ticket ça. Et donc, souvent, quand vous êtes rempli, meilleure solution, c'est tout simplement répétant que vous jouez résultat dans le cas. Parce que chaque fois où vous USCIS, chaque fois où écrit USCIS, pour essayer de demander comment ça y est, c'est plus retardé qu'on retardé. Parce que lorsque vous écrit moun yo demander comment ça y est, ok, on t'a supposé que vous bon fond bagay pour vous. Et puis, après ça, un message qui monte, qui dit, Bruno, mais à propos de tel bagage que je vais faire pour moi, vous d'accord ensemble avec, m'obliger à camper dans ce que je vais faire pour moi, pour me regarder le message que vous voyez dans moi, pour moi, si ce n'est pas une nouvelle instruction que vous voyez dans moi, pour m'appliquer dans le dossier-là. Par exemple, un de nos monde qui se met dans dossier, et que le dossier a une erreur dans le numéro de passeport, ou bien il y a une erreur dans la date de correspondance, par exemple. On t'a dit que USCIS está sur le point pour que il y ait le dossier ça. Et puis, ouvre un message. Par exemple, le message que vous voyez, c'est un message que vous voyez dans un simple objectif pour USCIS, quand tel que ça pour. Si vous écrivez un débris au fermé, il y a fait même. Par exemple, le message que vous voyez, c'est un message que vous voyez pour que vous update un erreur pour défendre le dossier. Donc, vous automatiquement créez un retard qui n'est pas nécessaire. Donc, la bonne solution, c'est de rétablir jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui tombe dans le dossier pour là. Correct. Avant aller net. Parce qu'on connaît bail ça, il tellement bail petit problème, il bail petit problème. On imagine que pendant attend là par exemple, et puis pendant t'as rempli forme non, t'es gon erreur qui t'est glissé, par exemple soit dans date de naissance moun nan, ou bien soit dans adresse ou bien email ou bien nom moun nan, t'es gon petit fly qui on est qui pat là et puis dossier ça. Est-ce que yo a automatiquement annulé ou bien gen moyen pour yo informer ou pour corriger? Non, yo pas automatiquement annulé li parce que pour la simple bonne raison que USCIS pas connaît que sou fait erreur nan moun nan. Okay. D'ailleurs, ou ka rele moun nan Marie-Jacques, moun nan rele Marie-Jeanne, mais la gagne dire que c'est Marie-Jacques moun ta rele et pas gen aucun moyen, pas gen aucune ressource que USCIS dispose pour que li connaît est-ce que non moun ta correct ou pas. Alors, j'aime toujours dire moun yo gain deux erreurs seulement qu'a fait dans information bénéficiaire là qui vraiment qu'a faut prendre un peu le temps. C'est erreur qu'on fait dans email là avec erreur qu'on fait dans numéro passeport là. Mais si c'est erreur qu'on fait dans date naissance bénéficiaire là, si c'est erreur qu'on fait par exemple dans non bénéficiaire là, c'est quelque chose de très simple. Automatiquement que au fin confirmer sponsor là, le bénéficiaire là arrivé dans compte lui, gain un côté que USCIS a demandé pour que les confirmer information personnelle pour assurer que toute information ça est correct. Si on a erreur dans nom, on a corrigé erreur là. Si on a erreur dans signature, on a corrigé.
si vous avez une date de naissance, vous pouvez corriger l'erreur qui est dans la date de naissance sans aucun problème. Et avant tout, dans la question de correction, gros problème que moi qui vive très souvent, que moi je voulais ajouter pour moi publiquement. Il y a des gens qui ont plusieurs noms en Haïti. Par exemple, on a gagné Warelé, Moreno et Jacques, et puis signature, c'est Pierre. Ça veut dire que moi j'ai gagné deux prénoms, ou bien moi j'ai gagné un prénom avec un panorama midonyme ici aux États-Unis. On y a qui s'est passé? Leur a rempli pour Mounsa, ça arrive que Mounsa a rempli pour Oua, étant donné que Haïti n'a pas un système midonyme, lui mettait Moreno Jacques là, pour tous les deux prénoms. Ça arrive que le monde qui a rempli pour Oua, lui mettait Moreno dans le prénom, lui mettait Jacques dans le midonyme. Exactement. Quand il y a qui s'est passé, leur final trouvé ou même bénéficiaire là, leur a fait ce processus là, leur il est côté au mandé pour qu'on vérifie information personnelle ou yo, ou pas pour Moreno Jacques, ou après seulement Moreno, parce que lui seulement montre au first name, non, lui pas montre au midonyme. Même midonyme là. Now, soit tenté corriger pour mettre Moreno Jacques, ou a saisi, ou les documents voyage la sortie, li sorti Moreno Jacques deux fois, li sorti Moreno Jacques Jacques Pierre. Pour la simple bonne raison que c'était seulement first name au display, y'a pas de montrer au midonyme. Donc, soit tenté ajouter l'encore, il y a un risque pour que non sorti, pour que ça nous les midonyme dans sorti deux fois, et là encore, ça va poser difficulté pour traverser un port là, et ça va même arriver que son autre application soit besoin de remplir. Donc, rassurez-vous, sous ce qui est deux noms, avant même que vous remettez deuxième nom, hein. Encore, rassurez-vous ensemble avec Consora pour garantir que l'hypothèse est pour déjà. Ok. Ça veut dire que bénéficiaire là doit avoir un contact serré avec Sponsora ou bien moun qui remplit pour l'IA pour le connaître exactement qui ça donné. Oui. Bien sûr, bien sûr. L'IA doit avoir un contact serré et surtout, tout et dans tout, parce que comme pour profiter à ajouter, on connaît. Et quand le petit plein qui vient, moi, on connaît des gens qui remplit pour moun yo, et puis qui ça va faire, ils mettent un email par yo. Au lieu de mettre un email bénéficiaire là pour message à venir, je vais bénéficier là, vous comprenez? Et puis, qui email vous mettez, c'est propre email par yo que vous mettez, le constat. Le, en tant que par exemple, n'est-ce pas, belle fille, il y en a ici, là, il a besoin, il était 15 yeux sous lui, et puis, il était en train de monter vite sous lui, et puis, qui ça le fait? Il remplit pour vous, et puis, il mettait propre email par, lui-même qui sponsor, il mettait propre email par, comme étant bénéficiaire, et puis, le pour de la vie, c'est les vignes jeunes qu'on y a. Qu'on y a avoir vu chercher. Puisque pour de la vie jeunes qu'on y a, n'a pas passé dans la négociation. Vous comprenez? Vous n'avez pas expérience? Vous n'avez pas expérience où vous allez là? Plusieurs mouns qui reportent mes dossiers ça. Plusieurs mouns qui arrivent déjà. Vous avez des causes? Bah, eh bien, merci, ingénieur. Bon, ça m'a dit que, est-ce que si on moune, par exemple, t'es sous résidence, est-ce que ça arrive le bénéficier d'un programme ça? Ben bien sûr, il n'y a aucun problème. Au contraire, les gens qui sont résidentiels, c'est une bonne opportunité pour eux. Parce que, pas bien que, à cause de questions coronavirus ajoutées sur l'insécurité qui gagne en Haïti, nous avons saisi l'ambassade là pour fonctionner à quantité réduite. Ça qui vient de rendre que, par exemple, il y a des gens que dossier arrivé dans Visa Center il y a 3 ans de cela, qui jusqu'à présent pour qu'on ait un rendez-vous ambassade. J'aime pas mentir, mais programme ça l'aide, il y a plusieurs monde qui relaient tout parce qu'ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu comme ils ont relan pile, ils ont plusieurs monde résidence là. Il y a bien sûr, ils ont relan pile monde résidence en moment ça yo. Et mais qui s'est passé? Si vous c'est un monde qui croit ça qui gagne d'autres qui dans visa center ça fait longtemps. Qui pour qu'on jamais un résultat, au contraire, si vous sous programme ça, c'est meilleure occasion pour venir et puis l'arrivée ici ou à pour faire ça nous relayer en changement de statut. Donc leur sont pas besoin de retourner en Haïti encore. Interviewa ou pas juste passer interview à la KUSIAS, il y a interview bien entendu. Et puis, ou pas même besoin de retourner à Haïti encore, ou pas juste faire nous relayer un changement de statut. Il y a rempli une forme I-425 pour et puis, la paix. La paix. Merci, ingénieur, c'est ton. Ou aller dans YouTube, vous tapez en Haïti tout côté, ou absolument créer sur subscribe ou bien abonner. Après ça, ou cliquez li sur tout qui veut dire cette cloche-là, qui a fait qu'on ait nos live avec nos postes de nouveaux vidéos avec page. Facebook haïtien tout côté a donc et nous fait lancer page là nous gagne plein d'informations qui nous guette à mettre sur lui pour les gens qui nous regardent là allez dans Facebook tapez haïtien tout côté et puis à suivre nous pour là que nous postions une vidéo ou bien tout n'importe information et à propos de immigration pour nous capable joindre. Merci et puis à partager toute vidéo nous sur YouTube nous gagne plein de vidéos qui nous guette à liker déjà toute vidéo qui nous aime yo et à partager, à regarder, c'est vraiment important. Merci avec tout le monde qui a été avancé. Merci parce que nous like, nous abonner et nous partager message là. Merci avec tout le monde.